Qu'est-ce que le Dhamma Le Dhamma est ce qui peut trancher directement dans le vif de nos problèmes et de nos difficultés pour les atténuer progressivement jusqu'à les faire disparaître. Voilà ce que l'on appelle le Dhamma. C'est ce qui doit être étudié tout au long de notre vie de sorte que, à chaque fois qu'une impression mentale apparaît, nous soyons capables de la traiter. Nous avons tous des problèmes, où que nous habitions, que ce soit ici en Thaïlande ou dans un autre pays. Si nous ne savons pas comment les résoudre, nous serons toujours sujets à la souffrance et à la tristesse. Ce qui résout les problèmes, c'est la sagesse. Et pour acquérir cette sagesse, nous devons développer et entraîner l'esprit. Le sujet de la pratique n'est pas bien éloigné. Il est juste là, dans notre corps et dans notre esprit occidentaux et thaïlandais sont semblables. Les uns et les autres ont un corps et un esprit. Un corps et un esprit confus indiquent qu'une personne est dans la confusion. Un corps et un esprit paisible indiquent qu'une personne est en paix. En réalité, l'esprit, tout comme l'eau de pluie, est naturellement pur. Mais si on met quelques gouttes de colorant vert dans de l'eau de pluie, elle devient verte. Si on y met un colorant jaune, elle devient jaune. L'esprit réagit de la même manière. Quand une impression de bien-être lui arrive, il se sent bien et quand c'est une impression de malaise, il se sent mal. L'esprit se colore exactement comme l'eau. Quand de l'eau claire entre en contact avec un colorant jaune, elle vire au jaune. Quand elle entre en contact avec un colorant vert, elle vire au vert. Elle change de couleur à chaque fois, mais en réalité, cette eau jaune ouverte est propre et claire par nature. C'est aussi l'état naturel de l'esprit, propre, pur et clair. Il ne devient confus que parce qu'il poursuit des impressions mentales. Il se perd dans ses propres humeurs. Permettez-moi de vous expliquer cela plus précisément. Imaginez que vous soyez assis dans une forêt paisible. S'il n'y a pas de vent, les feuilles sont immobiles, mais si le vent se met à souffler, les feuilles frémissent. L'esprit est semblable à une feuille. Quand une impression mentale apparaît, il tremble et s'agite en fonction de la nature de cette impression. Moins nous connaissons le Dhamma, plus notre esprit est dépendant de ses impressions mentales. S'il ressent du bonheur, il succombe au bonheur. S'il ressent de la souffrance, il succombe à la souffrance. Il est dans un état de confusion permanente. Finalement, les gens deviennent névrosés. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui leur arrive. Ils se contentent de suivre leurs humeurs et ne savent pas comment veiller sur leur propre esprit. Quand l'esprit n'a personne pour le surveiller, il est comme un enfant sans mère ni père pour prendre soin de lui. Un orphelin n'a aucun refuge et de ce fait, à un fort sentiment d'insécurité. De même, si on ne prend pas soin de l'esprit, s'il n'est ni entraîné, ni mûri par une juste compréhension, les choses peuvent devenir vraiment compliquées. La méthode d'entraînement de l'esprit dont je veux parler et Kamatana. Kama signifie action et Tana signifie la base. Dans le bouddhisme, c'est la méthode qui permet d'apaiser et de tranquilliser l'esprit. On l'utilise pour entraîner l'esprit et, une fois que l'esprit est entraîné, pour travailler sur le corps. Notre être se compose de deux parties. L'une est le corps, l'autre est l'esprit. Il n'y a que ces deux parties-là. Ce que l'on appelle corps est ce que l'on peut voir avec les yeux. L'esprit, quant à lui, n'a pas d'apparence physique. On ne peut le voir qu'avec le regard intérieur ou les yeux de l'esprit. Ces deux composantes, le corps et l'esprit, sont dans un état de confusion permanent. Qu'est-ce que l'esprit L'esprit n'est pas vraiment une chose. Conventionnellement parlant, c'est ce qui perçoit ou ressent. On appelle esprit ce qui ressent, ce qui reçoit toutes les sensations mentales et en fait l'expérience. À cet instant précis, l'esprit est présent. Tandis que je vous parle, votre esprit a conscience de ce que je suis en train de dire. Des sons entrent par vos oreilles et vous savez ce que je dis. Ce qui ressent cela est appelé esprit. Cet esprit n'a ni réalité personnelle ni substance. Il n'a aucune forme. Il ne fait que percevoir des activités mentales, c'est tout. Si on enseigne la vision juste à cet esprit, il n'aura aucun problème. Il sera en paix. L'esprit est l'esprit. Les objets mentaux sont des objets mentaux. Les objets mentaux ne sont pas l'esprit. L'esprit n'est pas les objets mentaux. Afin d'avoir une claire compréhension de notre esprit et des objets mentaux dans notre esprit, nous disons que l'esprit est ce qui reçoit les objets mentaux qui pénètrent en lui. Quand ces deux choses, l'esprit et un objet mental, entrent en contact, elles donnent naissance à des sensations. Certaines sont agréables, d'autres déplaisantes. Certaines rafraîchissantes, d'autres brûlantes, elles sont de toutes sortes. Si la sagesse n'est pas là pour filtrer ces sensations, l'esprit sera dans la plus grande confusion. La méditation est un moyen de développer l'esprit pour qu'il devienne la base sur laquelle grandira la sagesse. La respiration est ici un support physique. Nous appelons cette technique anapanasati ou l'attention à la respiration. Nous faisons de la respiration notre objet mental. Nous la prenons comme objet de méditation parce qu'elle est simple et parce qu'elle est le cœur de la méditation depuis des temps immémoriaux. Quand nous pratiquons la méditation en position assise, nous avons les jambes croisées, et la main droite est posée sur la main gauche. Gardez le dos bien droit. Et dites-vous, Maintenant, je vais laisser de côté toutes mes obligations et tous mes soucis. Pour le moment, vous allez éviter de penser à tout ce qui pourrait vous causer de l'inquiétude et mettre ainsi vos tracas de côté. À présent, Posez votre attention sur la respiration et puis inspirez et expirez tranquillement. Tandis que vous prêtez attention à votre respiration, n'essayez pas de l'allonger ou de la raccourcir, de la forcer ou de l'affiner. Laissez-la se faire normalement et naturellement. L'attention et la présence à vous-même qui se développent dans votre esprit vont avoir conscience de l'inspiration et de l'expiration. Détendez-vous. Ne pensez à rien. La seule chose que vous ayez à faire est de poser votre attention sur l'inspiration et l'expiration. Vous n'avez rien d'autre à faire. Soyez consciemment présent au va-et-vient du souffle à l'instant où il se produit. Soyez attentif au début, au milieu et à la fin de chaque respiration. L'inspiration commence au bout du nez. Le milieu de l'inspiration se situe au niveau du cœur et la fin dans l'abdomen. Pour l'expiration, c'est l'inverse. Le début est dans l'abdomen, le milieu au niveau du cœur et la fin. Au bout du nez. Concentrez votre attention sur ces trois points vous soulagera de tous vos soucis. Ne pensez à rien d'autre. Maintenez votre attention sur la respiration. Peut-être que d'autres pensées vont vous traverser l'esprit et vous distraire, mais ne vous en souciez pas. Ramenez simplement votre attention sur la respiration. C'est l'objet de votre attention. Il se peut que votre esprit soit tenté de juger ou d'analyser vos humeurs, mais continuez votre pratique en étant constamment conscient du début, du milieu et de la fin de chaque respiration. Au bout d'un moment, l'esprit restera tout le temps conscient de la respiration à ces trois points. Quand vous aurez pratiqué plusieurs fois ainsi, l'esprit et le corps s'habitueront à ce travail et la fatigue disparaîtra. Au contraire, votre corps se sentira plus léger et la respiration deviendra de plus en plus légère. L'attention et la présence à ce qui est protégeront l'esprit et veilleront sur lui. Nous pratiquons ainsi jusqu'à ce que l'esprit soit calme et en paix, jusqu'à ce qu'il soit unifié. L'esprit est unifié quand il est complètement absorbé dans la respiration, qu'il ne se sépare pas de la respiration. Il est clair et détendu. Il est conscient du début, du milieu et de la fin du souffle et demeure concentré sur lui. Ensuite, quand l'esprit est paisible, nous fixons notre attention sur l'inspiration et l'expiration uniquement au niveau des narines. Nous n'avons plus besoin de les suivre quand elles descendent vers l'abdomen et qu'elles remontent. Nous nous concentrons simplement sur le bout du nez. Là où le souffle entre et sort. C'est ce que l'on appelle calmer l'esprit. On le détend et on l'apaise. Quand le calme apparaît, l'esprit s'arrête. Il s'arrête avec son unique objet, la respiration. C'est ainsi que l'on apaise l'esprit afin que la sagesse puisse apparaître. Il s'agit là du début, de la base de notre pratique. Vous devez essayer de pratiquer ainsi chaque jour où que vous soyez. Que ce soit à la maison, dans une voiture, allongé ou assis, vous devez être pleinement attentif et conscient de votre esprit en permanence. Ceci s'appelle l'entraînement mental et on doit le pratiquer dans toutes les positions, pas seulement assis, mais aussi debout, en marchant ou allongé. L'objectif est d'être pleinement conscient de son état d'esprit à tout moment. Pour cela, nous devons être constamment présents et conscients. L'esprit est-il heureux Est-il souffrant Est-il perturbé En paix Apprendre à connaître l'esprit de cette manière lui permet de se pacifier. Et quand il sera réellement pacifié, la sagesse apparaîtra. Avec cet esprit apaisé, Prenez le corps comme nouvel objet de méditation. Le corps depuis le sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds, et puis des pieds jusqu'au sommet du crâne. Refaites ce parcours encore et encore. Portez ensuite votre attention un moment sur les cheveux, puis sur les poils du corps, sur les ongles, sur les dents. Et enfin sur la peau. Durant cette méditation, vous verrez aussi que le corps tout entier est composé de quatre éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Les parties dures et solides du corps représentent l'élément terre. Les parties liquides et fluides, l'élément eau. Les gaz qui traversent le corps constituent l'élément air. Et la chaleur de notre corps, l'élément feu. Ensemble, tous ces éléments composent ce que nous appelons un être humain. Quand le corps se décompose, seuls ces quatre éléments subsistent. Le Bouddha a enseigné qu'il n'y a aucun être en soi. Pas d'humain, pas de thaïlandais, pas d'occidental, pas de personne, mais qu'au final, il n'y a que ces quatre éléments. Un point, c'est tout. Nous sommes convaincus qu'il y a une personne ou un être, mais en réalité, il n'y a rien de la sorte. Que l'on prenne ces éléments séparément en tant que terre, eau, air et feu, ou qu'on les prenne ensemble sous l'étiquette d'être humain, ils sont tous impermanents, sujets à la souffrance et sans soi personnel. Ils sont tous instables, incertains et dans un état de changement constant. Ils ne sont jamais stables, pas même un instant. Notre corps est instable. Il se modifie et change constamment. Les cheveux changent. Les ongles changent. Les dents changent. La peau change. Tout change complètement. Notre esprit aussi change continuellement. Il n'est pas un soi, il n'a rien de substantiel. Il n'est pas réellement nous ou eux, même si c'est ce qu'il croit. Il va peut-être penser au suicide, peut-être au bonheur ou à la souffrance. Il peut penser à toutes sortes de choses. Il est sans cesse en mouvement. Si nous n'avons pas la sagesse et que nous croyons que cet esprit est notre, qu'il est nous, il nous mentira sans cesse et nous oscillerons toujours entre bonheur et souffrance. L'esprit change, il n'y a rien de sûr en lui. Le corps change. Il n'y a rien de sûr en lui. Tous deux sont impermanents. Tous deux sont sources de souffrance. Tous deux sont dépourvus d'un soi. Le Bouddha a expliqué que cet ensemble corps-esprit n'est ni un être, ni une personne, ni un soi, ni une âme, ni nous, ni eux. Ce n'est que l'agrégat d'éléments, terre, eau, air et feu. Seulement des éléments. Quand l'esprit verra cela, il se libérera des attachements qui font croire que je suis beau, je suis bon, je suis mauvais. Je souffre, je possède, je ceci ou je cela. Vous ressentirez un état d'unité parce que vous aurez clairement vu que toute l'humanité est semblable dans son essence. Il n'y a pas de je, il n'y a que des éléments. Quand vous approfondirez l'impermanence, la souffrance et le non-soi et que vous les verrez clairement, il n'y aura plus d'attachement à un soi, un être, un jeu, un il ou un elle. L'esprit qui verra cela engendrera nibida, le désenchantement et le détachement. Il verra toute chose seulement comme impermanente insatisfaisante et sans soi. C'est alors que l'esprit s'arrête, que l'esprit est d'âme. L'avidité, l'aversion et les concepts erronés diminuent et reculent petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'esprit. Seulement le pur esprit, c'est ce qui s'appelle pratiquer la méditation. Je vous offre cet enseignement du Dhamma en cadeau pour que vous puissiez l'étudier et l'approfondir dans votre vie quotidienne. Il vous montrera le chemin qui mène à la paix de l'esprit. Il apportera calme et clarté à votre esprit. Votre corps sera peut-être tourmenté, mais pas votre esprit. D'autres, de par le monde, seront peut-être dans la confusion, mais pas vous. Quand la confusion régnera autour de vous, vous n'en serez pas affecté parce que l'esprit aura vu. L'esprit est d'âme. C'est le sentier correct, la voie juste.